Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, unboxing spécial Temu. Oui, je prononce ça comme ça, Temu. Donc, j'ai été contactée par la marque, j'étais super contente parce que, croyez-moi, il y a des petites pépites à petit prix, c'est la caserne d'Ali Baba. Alors, pour commander, c'est très simple, il vous suffira de télécharger l'application Temu, donc T-E-M-U, voilà. ou directement de passer sur le lien internet. Alors, la marque, je suis super contente, elle m'a laissé un code promotion pour vous, donc 100 euros de coupons, voilà, à valoir sur le site. Je vous mettrai en barre d'information le code promo. Vous allez voir, il y a plein de petites merveilles, en sachant qu'il y a énormément de choses pour l'art thérapie, mais moi, hélas, j'ai pas pu choisir dans cette sélection. Donc, c'est uniquement des choses pour la maison, mais vous allez pouvoir retrouver, je vous mettrai quelques photos d'articles que j'ai pu trouver sur Temu, voilà. Donc écoutez, c'est parti, on déballe tout ça ensemble. Vous allez voir, j'ai trouvé une petite tasse pour Halloween, elle est juste trop mignonne. Alors j'ai tout reçu en colis privé, c'est hyper bien suivi sur, avec vos mails, il n'y a aucun souci. Et je vois que c'est vraiment très très bien emballé. Oh là là, il y a plein de petites choses à l'intérieur. Regardez ça. Ça, c'est ma tasse. Je sais que c'est ma tasse. Je pense que je vais en faire un pot à crayon. Ça, c'est un nouveau rideau de douche. Ça, je ne sais même pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ok. Ça, c'est une affiche pour Halloween. Vous allez voir, elle est trop belle. Enfin, c'est une affiche pour l'automne. Trop jolie. Ok. Donc, c'est parti, on déballe tout ça. Alors, je commence déjà par l'affiche. Alors, c'est une artiste qui est connue. Je vous mettrai son lien Instagram. Il y avait des affiches magnifiques aussi sur le thème de Noël. Je pense que je repasserai commande. Alors, j'adore la qualité. Et c'est pas du papier, c'est de la toile. Le rendu est trop joli. Alors, j'ai également, vous voyez, des petites baguettes comme ça. C'est aimanté pour glisser mon affiche à l'intérieur. Donc ça aussi, vous allez pouvoir le retrouver également sur le site. Vous montre l'affiche. Waouh! Elle est trop jolie. Elle est trop... Oh, ben, je vous mettrai le nom de l'artiste que vous retrouverez du coup sur Instagram. J'adore les couleurs. Trop joli. Je vous montre le rendu. Du coup, c'est parfait. J'aime beaucoup le petit cordon en lassage cuir. Regardez-moi ça. C'est juste canon. Je crois que j'ai payé 2 euros l'affiche. Voilà. Ça fait une... Vous avez vu le petit chat là à la fenêtre? Trop mignon. Ça fait une petite déco, voilà, automnale, en plus, à la maison. Je suis trop contente. Allez, je continue. Alors, au mois de juin, précisément le jour de mon anniversaire, j'ai ma machine à laver qui est tombée en panne. Oui, je vous raconte ma vie. Du coup, je me suis acheté, avant elle était blanche, je me suis acheté une machine à laver gris anthracite noir. Je me suis dit, oh, c'est plus joli, c'est moderne, voilà. Mais, grosse erreur, parce que le moindre objet que vous allez poser dessus ou les taches d'eau, mais alors c'est hyper salissant. Du coup, j'ai vu qu'ils faisaient des espèces de tapis de protection. Voilà, et je le trouve super joli, antidérapant. Il est vraiment de très très bonne qualité. Hein. Regardez. Donc là, c'est antidérapant. Je vous montre. Hop.
Donc voilà, je vais poser ça, c'est exprès pour poser sur le dessus de la machine à laver. Nickel. Voilà. Je continue avec ça. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? Alors, tout simplement, c'est pour glisser à l'intérieur votre boîte de mouchoirs. Voilà, je trouve ça beaucoup plus joli, beaucoup plus esthétique. Alors, à la base, je l'avais vu sur Amazon France, dans les 10 euros, je pense. Il y avait différentes couleurs. Donc, c'est du simili cuir. Hein. Et vu que dans ma chambre, j'ai pas mal de noir, je me suis dit, je me la commande en noir. Donc, écoutez, on va tester tout de suite. Hein. Alors, nous sommes de retour dans la salle de bain. Il me fallait un nouveau rideau de douche. Pareil, hop. Donc ici, vous avez les anneaux. Et vous allez voir, il est trop beau. Alors, il est moderne. Voilà. Et en plus, vous allez voir, il y a des fleurs. Alors, la qualité est super bonne. C'est du tissu. Donc ça, après, hop, vous remettez en machine à laver. Je vous montre le motif. C'est des fleurs. Alors, on est sur un côté un peu art déco. Et du coup, j'espère que vous verrez. Voilà, c'est des fleurs. Donc, je vais le laver et je vais l'installer. Il est trop joli. Ensuite, je mets ici un panier. Vous savez que j'adore tout ce qui est naturel. D'ailleurs, vous pouvez voir un peu, j'ai beaucoup d'osier chez moi. Et les teintes sont juste parfaites pour aller dans mon salon. Il est trop joli. Je pense qu'il est assez grand. Ouais. En plus, il y a des anses comme ça. Il est trop chouette. Et je vais le mettre à côté de moi. Sur mon bureau, parce que souvent en fait j'ai beaucoup de choses à vous présenter et du coup au lieu d'accumuler comme ça sur mon meuble, c'est pas très joli. Je vais tout cacher dans ce petit panier, c'est juste parfait. Il est trop beau, regardez un peu la qualité. Oh, il est magnifique, je suis trop contente. Il y avait différentes tailles, mais là c'est juste parfait. Donc je continue, je vais ouvrir avec vous ma fameuse tasse qui est hyper bien protégée. Je pense qu'elle est très 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 grosse. Alors déjà, on a une petite cuillère en or dessus. Très jolie. Oh là là, comme elle est belle. Moi qui disais à mes enfants, c'est bon, je ne veux plus de tasse à la maison. Mais alors, regardez-moi cette petite merveille. Oh, elle est trop jolie. Elle est vraiment très très belle. Bon bah écoutez, hein, je pense que vous la verrez souvent en vidéo. Et ça peut servir aussi de pot à crayon. Trop joli. Alors ici, je sais même plus ce que c'est. En tout cas, c'est bien emballé. J'avais totalement oublié que j'avais commandé ça. Regardez. Il est magnifique. Un cadre en bois. Et en fait, ces cadres-là, on peut les trouver, mais je pense sur... ouais, peut-être à Maison du Monde. Mais c'est tellement rare de trouver des cadres aussi beaux et de cette forme. Alors, je vais pouvoir l'accrocher. Oh, je suis trop contente. Il est hyper beau, il fait très très ancien. Vernis comme ça, il est magnifique. Je suis trop contente. Et on continue. Ça, c'est vraiment parce que j'en avais besoin.
Alors, à la base, j'ai tout reçu sur mon lieu de travail. Et mon collègue m'a dit, mais t'as commandé de la vaisselle? Je lui ai dit, non. Il me dit, je pense pas, je me souviens plus du moins. Et en fait, c'est tout simplement un égouttoir pour ma cuisine. Parce que le mien est laissé dans un état, il commençait à rouiller. Je l'avais acheté chez Jiffy il y a 2 ans, je crois. Et voilà, il était en fin de vie et du coup j'ai trouvé celui-là. Pareil, vous avez différents modèles, différentes teintes. Moi j'ai pris noir. Donc écoutez, je l'ouvre, je l'installe, je vous montre ce que ça donne. Et pour la bonne ménagère que je suis, je me suis également recommandé une petite serpillière comme ça, voilà, en microfibre, vous savez, qui accroche bien la poussière. Donc ça va sur les balais Velleda, donc ça c'est nickel, pareil, petit prix. Donc je vous retrouve tout de suite et je vous montre mon égouttoir. Du coup, regardez, c'est génial, je n'avais pas ça sur mon ancien. Ici, vous avez un système qui permet à l'eau de s'évacuer avec comme une espèce de petite cuillère ici, ou une gouttière où l'eau va couler pour tout simplement à chaque fois que l'eau ne stagne pas à l'intérieur. Et ça, c'est trop bien. Ici, on a 3 emplacements pour pouvoir mettre les couverts. Je le trouve très joli, assez compact. Voilà. Parfait, nickel, je suis trop contente. Alors, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire quel est votre article préféré. J'ai un gros coup de cœur pour beaucoup de choses en fait. La fiche, elle est trop belle. Mon petit panier, je l'adore. Le cadre, il est trop beau. Ma tasse, elle est trop mignonne. Le rideau, il est parfait. Enfin, voilà. En fait, c'est normal. C'est ma propre sélection. Donc, je suis conquise. Voilà. Donc, je vous mettrai le lien de Timou en barre d'informations. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais d'énormes bisous. Et maintenant, je dois ranger tout ça. Hi. Au revoir tout le monde.